La France sera toujours pour les États-Unis un allié fiable, mais je veux également le préciser, autonome dans ses choix. Et elle saura prendre avec la liberté qui la caractérise des positions qui peuvent parfois être différentes si nous pensons qu'elles ne sont ni conformes à nos intérêts ni à nos valeurs. La paix, elle sera faite par les Israéliens et les Palestiniens et par personne d'autre. Seules des négociations bilatérales peuvent aboutir. La réunion de dimanche, elle doit donc rappeler la détermination à soutenir une solution à deux États et faire avancer des solutions concrètes pour le développement des infrastructures urbaines, énergétiques, de transport au bénéfice des Palestiniens et des Israéliens et à encourager tous les échanges. J'ai toujours affirmé qu'une transition politique en Syrie était nécessaire et qu'elle impliquait de n'écarter aucun acteur de la région et de parler à tous, y compris le régime. La France est favorable à toute initiative qui permettra de mettre fin aux hostilités.